différentes façons d'aimer. Cette question prend tout son sens lorsqu'en tant que parent, on vit quotidiennement avec un enfant aux prises avec un trouble de l'attachement. On reçoit Daniel Marchand qui, avec son association Pétale Québec, apporte du soutien aux parents qui vivent avec un enfant qui a un trouble de l'attachement. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Vous avez créé donc cette association, mais vous avez aussi vécu avec trois enfants. Donc, vous en avez trois avec deux qui ont un trouble de l'attachement. Je ne sais pas, Anne-Marie, si tu connais bien ce que c'est le trouble de l'attachement au sens cognitif, au sens personnel. Pouvez-vous nous l'expliquer exactement? Peut-être que ça va faire plus de sens pour vous si on prend la traduction anglophone telle qu'elle est écrite. Ouais. C'est trouble réactionnel de l'attachement. Donc, en disant trouble réactionnel de l'attachement, on a déjà une image un peu plus précise. Donc, un enfant qui réagit à une proposition d'attachement, si on veut. Est-ce que ça peut faire un peu plus de sens? Ça se peut aussi. Donc, c'est un enfant peut-être qui a vécu un traumatisme d'attachement peut-être avec la mère. Est-ce que c'est plus des enfants adoptés? On va tout de suite ne pas faire cette équation si rapide. Ce ne sont pas que les enfants adoptés. Okay. On va peut-être mettre ça à l'essence même de la théorie. C'est que vous, toutes les trois ici, si on est assis ici, qu'on a survi, c'est justement c'est qu'on a signifié notre besoin d'attachement. Okay. Donc, un bébé qui vient au monde, un bébé humain, s'il veut survivre, il doit nécessairement activer le lien d'attachement. Alors, on vient de défaire un mythe ici. C'est pas maman qui va s'attacher nécessairement. Bon. Elle va s'attacher si bébé signifie son besoin d'attachement. Et il ne nous envoie pas des textos. L'enfant va nous envoyer des cris, des pleurs, il va s'agripper, il va gigoter, il va faire son sourire, fixer les yeux. Il va nous signifier qu'il est en détresse, en inconfort, en inquiétude, un bruit trop vif. À la naissance, je vous parle d'un tout petit bébé. Et c'est la réponse de la figure d'attachement principale, et là, je ne vous dis pas maman, la figure d'attachement principale qui, dans sa manière de répondre, dans la stabilité, dans la fréquence, va apaiser l'enfant. Okay. Et c'est dans cette expérience d'apaisement qui va se créer un lien d'attachement et un lien affectif. Est-ce qu'on peut avoir C'est aussi simple que ça, le lien d'attachement. Est-ce qu'on peut avoir un trouble de l'attachement petit et à l'âge adulte, travailler sur soi et finalement que ce lien-là, pas ce lien-là, mais que ce trouble-là arrête ou on vit constamment avec ça? Mais c'est difficile à expliquer parce que je ne vais pas donner un pronostic trop sévère. Mais selon votre expérience personnelle? Toujours dans mon expérience personnelle, puis tous les parents qu'on a rencontrés et les professionnels avec qui on a pu échanger, un lien d'attachement, c'est une construction de toute une vie. C'est sûr. C'est certain que si au départ, vous avez des conditions favorables, vous avez un attachement sécurisant, il peut vous arriver des événements dans la vie où vous êtes secoué sur le plan de votre sentiment de sécurité. Mais vous avez ce pouvoir-là de résilience, de pouvoir trouver autour de vous des éléments, des facteurs, des tuteurs de résilience qui vont vous permettre de vous recentrer sur votre sentiment de sécurité. Mais si un enfant est né dans un milieu peu favorable, il y a une fragilité qui s'installe. Bon. Peu favorable, une petite fragilité. Cet enfant-là rencontre au fil de sa vie, dans son développement, un environnement, d'autres figures d'attachement qui vont venir consolider son lien, mais il peut rester un enfant quand même fragile et être un adulte qui va présenter un profil d'attachement qu'on dit évitant ou ambivalent anxieux ou préoccupé. Ça crée d'autres choses. Notre style d'attachement petit va être aussi présent quand on sera adulte et même quand on sera une personne âgée. Est-ce que vous l'avez vécu parce qu'on l'a dit, bon, vous avez lancé l'association. Vous êtes maman de trois enfants, il y en a deux. Oui. Parce que là, je sais que vous avez dû vous départir, disons ça comme ça, de deux de vos enfants. Pouvez-vous nous raconter un peu votre histoire? Là, je vous ai parlé de peu favorable. Mais si on est dans un contexte de très peu favorable ou même dans un contexte où là, un enfant peut vivre des traumas relationnels ou des traumas de la petite enfance, j'aime difficilement le nommer, mais on peut parler de grande négligence, de maltraitance, de malnutrition. Des enfants qui ont vécu des abandons, plusieurs ruptures consécutives en très bas âge, avec un environnement qui ne pouvaient pas nécessairement les soutenir. Là, on a des effets sur tout le plan développemental de l'enfant. Puis vous, ça les enfants qu'on a accueillis dans un deuxième projet d'adoption étaient des enfants qui avaient vécu, on le sut plus tard avec des évaluations, de la négligence gravissime. Donc, les enfants 4 ans, 2 ans ont vécu dans un environnement très peu favorable, autant pour créer un lien d'attachement, un lien affectif et un milieu pour qu'il se développe très bien. Donc, ils vous repoussaient, ils ne désiraient pas votre amour? Là, on était vraiment dans des enfants qui étaient réactionnels à la proposition du lien d'attachement qu'on proposait. Donc, le lien affectif, le lien d'amour, j'avais toujours l'impression que cette proposition-là, ils étaient en réaction et la rejetaient. Ah, bon. Alors,
comme maman, ça doit être comment extrêmement on peut difficile. Se sentir, c'est qu'on se sent... On finit par dire, mon Dieu, est-ce que je suis une bonne maman? Est-ce oui. que je suis compétente à aimer? Oui. J'ai l'impression que ce que j'ai de plus beau à donner, parce que c'est ce qu'on voulait donner à cet enfant-là, c'est notre amour. En retour, c'est du vide, ou au contraire, c'est des comportements d'opposition, de provocation, des attitudes, des regards ouais. qui nous repoussent. Et qu'est-ce que vous avez dû faire? Parce que vous avez fait quand même un grand geste d'amour pour eux et pour vous aussi, parce qu'il ne faut pas s'oublier, je pense, en tant que parent, vous avez décidé donc de les replacer, ces enfants-là? Après 6 ans en suivi en pédopsychiatrie, puis 6 années à essayer de découvrir la porte d'entrée de ces enfants-là et s'apercevoir qu'on n'a réussi jamais à l'ouvrir ou on la trouve pas. Mon conjoint les avait appelé nos enfants les enfants portiques. Un pied dans le portique, un pied sur le balcon, ouais. et jamais dans la maison. Et j'avais comme l'impression que jour après jour, je menaçais davantage les enfants en me proposant comme maman, comme s'ils étaient incompétents. Mm. Et même peut-être pris dans un certain conflit de loyauté par rapport à leurs parents biologiques, assis entre deux chaises, ouais. ça devenait insoutenable et j'avais l'impression qu'on était en train de prendre une pente, un dérapage dangereux ouais. pour l'équilibre de toute la famille. Mais heureusement, on vous a avez... demandé est-ce qu'on ait un retrait. Est-ce qu'on a perdu notre rôle de parent? Je ne crois pas. Est-ce qu'on a perdu, est-ce qu'on a mis de côté l'engagement qu'on avait pris auprès non. de ces enfants-là? Non, puis de toute façon, avec l'association que vous avez créée, Pétale, donc on le répète, parents d'enfants présentant des troubles de l'attachement, vous aidez d'autres parents qui vivent sens, dans la oui. même situation. Merci, merci, Danielle. Moi, je vous donne plein de liens d'attachement. J'en donne plein. Merci. Vous êtes fine. Merci infiniment. Merci. La Saint-Valentin, c'est la semaine prochaine, on se le rappelle, et Dany Saint-Pierre prend le contrôle de votre menu pour épater soit votre amoureux ou votre amoureuse. On regarde ça. Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai la recette pour vous. J'ai un cœur de filet de bœuf. Oh oui, cœur de filet de bœuf. C'est la Saint-Valentin. C'est vraiment le centre du filet de bœuf, assaisonné et rôti au four avec des légumes et une vinaigrette au miel et à la moutarde. Puis après ça, bien, vous allez avoir une espèce de plat.